quand Wendy Bouchard, qui était une grande défenseuse de la nature, a exceptionnellement laissé son 4x4 diesel au garage. Castex en porte-parole de la jeunesse, ça s'appelle un oxymore, hein. C'est un peu comme Greta Thunberg, ambassadrice de la joie de vivre, quoi. En Arabie Saoudite, jour des élections, il y a une femme qui est sortie de chez elle en burqa. Les mecs l'ont pris pour un isoloir. Elle s'est fait bourrer l'urne toute la journée. J'ai une bonne nouvelle pour les membres de l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer l'a dit, priorité au pouvoir d'achat des profs. Dorénavant, les enseignants toucheront une commission sur les ventes de shit à l'intérieur des établissements. Les tissus employés sont totalement recyclables et dans un souci d'amour et de bienveillance. Fin octobre, quand l'œuvre sera démontée, Anne Hidalgo, la maman des bisounours, a prévu d'en faire des tentes pour SDF pour qu'ils ne passent un hiver plus doux et plus moelleux. Cœur avec les mains. Sandrine Rousseau, c'est l'Ave Krishna de l'écoféminisme. Elle déteste tellement les hommes que quand elle se promène dans un port de pêche, elle déboulonne les bites d'amarrage. Qui constitue un ignoble témoignage du patriarcat, quoi. Tu l'imites bien. Alors la kippa, c'est une sorte d'assiette creuse retournée qu'on te vise sur le haut du crâne. Personne ne sait vraiment à quoi ça sert. Ça, c'est un des paradoxes de cette religion. On te décalote le zizi et on te recalote la tête. La nouvelle rosta du pape, c'est vous, Olivier. Il y a 2 ans, à part la rédaction de France Bleu Isère, personne vous connaissait. Depuis, vous êtes le Kenji Girac de la politique. C'est vrai. Lui a été révélé par The Void, vous, The Covid. Hein. Une lettre près, c'est la même chose, hein, sauf qu'on n'a toujours pas trouvé de virus contre le styliste de Florent Pagny.